بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. اللهم بارك لنا في شيخنا، اللهم بارك لنا في شيخنا، اللهم بارك لنا في شيخنا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد. Donc on lit dans Surat Tauba le verset 111, le verset suivant. Inna Allah ashtara min al-mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahum al-jannah. Que l'on traduit par le Allah a acheté des croyants leur vie, leur bien, en échange il leur a donné le paradis. Donc Sidi Mohamed Fawzi al-Karkari, qaddasallahu sirra, pour nous illustrer ce verset, il nous a raconté l'histoire de Abu Hassan al-Shushtari, qui était une personne qui vivait en Andalousie musulmane au XIIIe siècle, et c'était un grand commerçant. Et quand il a voulu partir à Meknès pour du commerce, son shir, qui deviendra son shir après, lui a demandé « Pourquoi tu pars là-bas ?» Il lui a dit « Je pars là-bas pour rencontrer Sidi Abu Medien et pour avoir de la science, pour prendre de lui des sciences, pour faire du commerce aussi. » Il lui a dit « Ok, Sidi, si tu veux les sciences et le paradis, va là-bas. Par contre, si tu veux Rabbul Jannah, c'est-à-dire celui qui a créé le paradis au final, il dit « Suis-moi ». Donc, il a choisi plutôt que le paradis, le créateur du paradis, et son éducation a commencé avec lui, on va dire. Donc, il lui a dit « Si tu veux la ma'rifa, il faut que tu me donnes ton argent. » Donc, Abu Hassan al-Shushtari lui a donné son argent, puis il lui a dit « Maintenant, est-ce que tu peux me donner la ma'rifa ?» Il lui a dit « Non, donne-moi maintenant tous tes livres. » Il lui a ramené tous ses livres. Il lui a dit « Et maintenant, est-ce que tu me donnes la ma'rifa ?» Il lui a dit « Non, tu me brûles tout ça. » Il lui a dit « Ok, je brûle tout ça. » Il lui a dit « Et maintenant, est-ce que tu me donnes la ma'rifa ?» Il lui a dit « Non, il faut que tu changes tes habits et que tu mettes un habit de pauvreté. » Abu Hassan al-Shushtari s'est exécuté, il a mis un habit de pauvreté. Ensuite, il lui a dit « Et maintenant, est-ce que c'est suffisant pour me donner la ma'rifa ?» Il lui a dit « Non. » Il lui a dit « Regardez. » Tu vas prendre un tambourin de ce genre, et ça c'est un tambourin que Sidi Mohamed Fawzi al-Karkari prépare aussi pour les futurs Fuqara Karkariya, de la Tariqa Karkariya. Et il lui a dit, tu vas dans une place publique et tu commences à tambouriner. Donc il y a deux versions, il y a ou bien le tambourin que je viens de vous montrer, ou alors un drapeau. Il y a plusieurs versions de ce qui a été demandé à Abu Hassan al-Shushtari. Et il lui a dit, et il s'en va, il est parti. Et subhanallah, ce qu'il faut retenir de ça, c'est la manière avec laquelle il accepte tout ce que son cheikh lui demande, sans sourciller. Et il s'en va, et sur la route, il revient. Et il lui dit, au retour, il lui dit, son cheikh lui dit, qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelque chose qui ne va pas? Il dit, non, je ne sais pas quoi dire. Subhanallah, lui, c'est pas le problème de faire du tambourin ou d'agiter un drapeau, c'est le problème de savoir qu'est-ce qu'il va dire. Il lui dit, Ana fi bidayati dhikr al-habib. Je suis au commencement du rappel de mon bien-aimé. Et il a fait ça pendant 3 jours, et au 3e jour, Allah subhanahu wa ta'ala, il lui a ouvert, il lui a fait ce qu'on appelle le fath, donc pour... Il lui a ouvert le cœur, il lui a ouvert la poitrine, et puis ce qu'on appelle le fait. Ouais. Et voilà, donc pour conclure avec cette histoire qui est vraiment un bon exemple d'application de ce verset de Coran que j'ai cité, on voit que depuis le XIIIe siècle, les méthodes au final n'ont pas changé, et que dans la Tariqa al-Kariya, on a toujours l'habit, on a toujours le tambourin. Le tambourin, il n'est pas encore d'actualité, mais ça va venir, Inch'Allah. Et les méthodes n'ont pas changé depuis le XIIIe siècle, mais on va dire que si on remonte encore, on va encore trouver des chouyours de tasawuf qui utilisaient toujours les mêmes artifices pour bien éduquer les mourides et tout ça.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.